Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la salle Maréchal, salle régionale Maréchal de Arnes pour ce match de la 11e journée du championnat élite groupe A entre le Arnes Volleyball et Caudry. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à la salle Maréchal. Un gros match en perspective ce soir entre le premier du classement et le quatrième. Donc le premier, Caudry, leader actuellement de ce groupe avec 24 points. Et Arnes, actuellement quatrième avec un match de retard avec 14 points. Match de retard face au CNVB. Donc Arnes actuellement donc quatrième, je répète, à 5 points du troisième qui est calé. Donc le Seine qui avait deux matchs en retard, un contre nous et un contre Rennes. Et ils ont rattrapé cette semaine leur match en retard contre Rennes qui est... et le Seine a gagné 3-0. D'accord, ce qui fait qu'avec un match en retard, ils se retrouvent ex aequo avec nous. Un match contre le CNVB qui va être hyper important pour la suite de ce championnat. Ouais. On le rappelle, hein, l'objectif déjà premier du club de Arnes, c'est de déjà se qualifier dans les playoffs. Ouais. Et ensuite, éventuellement, aller faire l'accession en Pro B. Donc là, l'échauffement se termine. Tous les joueurs viennent de quitter l'aire de jeu. Et le match devrait commencer. Quelques minutes. Donc les autres rencontres de la soirée sont Arles contre Rennes, Arnes-Caudry évidemment, Avignon qui reçoit Charenton et Calais qui reçoit le CNVB. Enfin, sachant que le match Calais-CNVB se joue demain à 11h. Demain à 11h. Alors côté revue des effectifs, côté arnésien, l'effectif est au grand complet. Ouais, il n'y a pas d'absent. Pas de blessure. Steve Boyomo absent la semaine dernière pour cause de TQO avec le Cameroun et de retour. Mais on note le retour d'Arthur dans le groupe. Ouais, Arthur Novazic qui revient dans le groupe. C'est Noah qui faisait office de second libéro. C'est dernière semaine qui sort du groupe pour ce match, puisque aussi le rôle de libéro s'est bien stabilisé, hein, ouais. Qui revient en grande forme et la confiance revient du coup au niveau de l'équipe et c'est tant mieux. Ouais, c'est une très bonne chose malgré le résultat mitigé de la semaine dernière. Ça restera notre après stat, notre meilleur match en réception. Ouais. C'est que quelque part, de gros progrès ont été faits à ce niveau-là. On peut parler de résultats mitigés peut-être hein, maintenant, comme le disait Loïc au sortir de ce match, on l'a gagné. On l'a gagné, bien sûr. Tous les joueurs, ce match-là a été gagné. Et c'est bien le plus important. Il aurait peut-être certes pu être remporté plus largement. Dans les deux sets perdus de très peu, quelques ballons avaient été mieux négociés. Maintenant, on va pas revenir derrière. Non, c'est on va faire la fine bouche. C'est une victoire. Pour la confiance, elle fait du bien. Et notez aussi que à Charenton, c'est leur première défaite de l'année. Ou alors la deuxième. À domicile. À domicile, je crois que c'est la deuxième. Donc, c'était une équipe très difficile à battre chez elle. Donc quelque part, c'était pas un si mauvais résultat que ça. Ouais, leur autre défaite, c'était contre Caudry, justement. C'est aussi le retour en forme de Mihai Volianski. Ouais, suite à quelques petits pépins de santé voilà. sur la fin 2019. Qui revient en grande forme, ouais. À l'image
de la fin de match la semaine dernière à Charenton où il nous a fait énormément de bien. Il a fait énormément de bien l'équipe. J'ai une très belle entrée, tant au service qu'à l'attaque. Et c'est là où on l'attend. Et je pense aussi qu'il a une revanche en tête parce que de mémoire, il a eu un match frustrant au match aller à Caudry. Rappelons que Caudry est son ancien club. Ceci expliquant peut-être un peu cela. Continuer avec les effectifs, vous le verrez, l'équipe de Caudry est constituée pour moitié d'anciens joueurs arnésiens. Oui, voilà, c'est ça. Quand ils ont très très peu de joueurs sur le banc, il me semble qu'il n'y a qu'un seul joueur. C'est ça, ouais. En tant qu'ancien arnésien, on a Loïc Alphonse, Maxime Gauthier et Julien Poulet. Qui nous avait fait très mal au match aller. Julien et Loïc au match aller. Ouais. Allez. Alors le 6 de départ arnésien. Donc pour Maxime à la passe. On retrouvera Lénaïc et Steve au centre. Geoffrey et Patrick en réception. Recep attaque et Miaï à la pointe. Et Yanis en tant que libéro. Allez, les joueurs sont sur le terrain. Le service sera arnésien. Donc, comme d'habitude, hein, on ne vous l'a pas dit, mais n'hésitez pas à nous signaler tout problème sur le chat. Si vous rencontrez des difficultés à suivre le live. Et d'avance, on s'excuse pour les sonneries au temps mort. N'hésitez pas à nous dire aussi si tout va bien, vous avez le droit. Tout à fait. Et ensuite d'interagir entre vous, tout en respectant, bien sûr, les opinions, les avis de chacun, et en restant courtois. Allez, bon match à tous, c'est parti. Geoffrey au service. Ouais, première attaque de Loïc Alphonse, long de ligne. Premier point sera pour Caudry sur cette attaque de Loïc Alphonse. Réponse immédiate de la part de Patrick Scup sur ce bel enchaînement Recep attaque. On entend beaucoup Geoffrey Meyer là sur ce tout début de match. Ouais, qui motive tout le monde. Je pense que Loïc a rappelé à ses joueurs qu'il avait besoin de leader sur le terrain. Et Geoffrey en fait partie. Ouais, réception compliquée du libéro. Très bien géré derrière. Attaquer ce ballon. Encore une fois une première occasion non convertie. Et derrière le deuxième ballon a été mal négocié. Situation de passe de non-passeur. Il faut surtout derrière, pas laisser Caudry s'échapper. Caudry qui prend deux points d'avance. Hein. Voilà, bien joué Miaï. Il passe en force au milieu du bloc. Là, il va y avoir un gros match entre les deux pointus, Loïc Alphonse d'un côté et Miaï Wolanski de l'autre. Espérons que cette fois-ci, ça tourne en la faveur des Arnésiens. Maxime Dilly au service. Julien Poulet pour la réception est parfaite et permet un enchaînement au centre.
parfaitement converti par Tchelibou. Qui derrière fait photo service. Ouais, service de Patrick. De Patrick, mais derrière le libéro qui tient parfaitement. Ouais, derrière, Yanis qui semble un peu surpris, il ne peut pas défendre ce ballon. Caudry garde ses deux points d'avance. Et ça sera Loïc Alphonse au service. Ballon qui sort. Tout juste, bien jugé par Geoffrey Meyer. On est mal placé pour s'en rendre compte, mais moi je pense que... J'ai eu un gros doute. Elle doit pas être courageuse. J'ai eu un gros doute. Et Manu, dont on connaît l'honnêteté, l'annonce dehors, donc s'il l'annonce dehors... Ouais, c'est calé dehors. C'est calé dehors. Ah. Encore une fois, une situation moyenne très bien gérée par Caudry. Pour l'instant, ils savent où mettre le ballon quand ils sont en difficulté. Ouais. Ils n'ont pas été beaucoup en difficulté, mais le ballon passe beaucoup par Loïc Alphonse. Hein. Bon, bien réceptionné. Ouais. Allez, les Arnésiens qui reviennent à un point. Superbe service, cette passe jusqu'à Zardoz. Ouais, là, je... Derrière, c'est faute de fil qui est signalée. Alors, l'arbitre qui appelle tout de suite Maxime Dilly, certainement que le Ternésien en a parlé un peu trop fort et un peu trop. Ouais, on a entendu. Avec insistance. Il faut avouer que la passe de Maxime Gauthier est un peu, ouais, un peu très, limite quand même. On en a eu des. Moi, limite, sifflé la semaine dernière. Bien, Mihai. Beau service de Mihai, c'est bien tenu. Ah, dommage, c'est Steve qui se fait un peu aspirer là sur ce bloc et qui fait faute de fil à son tour. Ouais, allez, Caudry reste devant avec un point d'avance. 7-6. On va essayer d'aller chercher le temps mort. Et qui accroche la bande et qui son attaque sort. Donc c'est Caudry qui, comme la semaine dernière, sur Anton était devant au temps mort technique. Ouais. Cette fois-ci, c'est Caudry qui est devant avec deux points d'avance, 8-6. Alors cet après-midi, il y a eu une journée de championnat en M15, je crois, à Maréchal. Ouais, et puis en M11 aussi. Et en M11, il y avait la première journée de championnat, tout nouveau championnat créé pour les M11. Ouais, c'est la première fois, c'était vraiment la première journée de ce nouveau championnat. En M15, l'équipe de Arne a remporté ses deux matchs, ouais. Face à Dunkerque et Marquette. Oui, c'est ça, ouais, face à Dunkerque 1 et Marquette. Allez, retour des joueurs avec au service Freitas, le numéro 11 de Caudry. Gros bloc. On a 3 points d'avance, allez, faut réagir tout de suite, maintenant.
encore se retrouver dans une situation difficile maintenant. Cette passe de, oh là, de Geoffrey Meyer était pas plutôt bien jouée. Avec cette attaque, faut tout de suite arrêter là, plus 4 pour Caudry. Faut tout de suite faire tourner. Nouveau point pour Caudry. Voilà. Cette attaque de Steve semble avoir touché selon Loïc. Maintenant, ouais. Difficile de le savoir, sans challenge. Et malheureusement, Caudry a déjà 5 points d'avance dans ce début de match, dans ce premier set. Ce qui est un peu dommage, c'est que pour l'instant, la différence ne se fait pas vraiment sur des attaques de Caudry, mais ouais, plus par sur des fautes de l'autre côté. Encore une fois, bien bloqué, bien freiné par le bloc. Et derrière, c'est converti. Ah, ils se font pas prier pour convertir une contre-attaque. Ouais, non, on ne prend pas les points, ils gênent pas pour les prendre. Plus 6 pour Caudry. Maxime qui a tenté une deuxième main, qui s'est fait attraper par Julien Poulet. C'est pas le début de match idéal, pas le début de match rêvé. Certainement pas celui qu'espérait Loïc. Encore une fois, on rend le ballon. Cette fois, c'est défendu. Mais malheureusement, on va se retrouver dans une situation pas parfaite. Et encore une fois, une faute. Que de faute. Ouais, les premiers changements s'annoncent déjà, je pense, avec la rentrée de Benjamin à la place de Maxime à la passe et l'entrée de Sam, je pense, à la pointe, à la place de Mirai. On tente quelque chose côté coaching arlésien. Il faut un électrochoc, il faut réussir à faire tourner. Allez, c'est bien sauvé, mais bon, on va rendre le ballon. Ouais. C'est du 100% de réussite côté Caudry. Ouais, plus 9, ça commence vraiment à faire mal. Ouais, nouveau temps mort. Même un début de match cauchemar. Ouais, on pouvait pas espérer pire. Parce que là viennent de s'ajouter en plus des fautes au niveau de l'attaque, un bloc très présent côté Caudry. Ouais. Après, la tâche va se compliquer s'ils prennent confiance au bloc en ayant défense. Ouais, et puis si nous, ça,
J'ai pas la sensation qu'il y ait un vent de révolte qui se manifeste là. On a l'impression que les joueurs arnésiens ont pris un coup moral. Faut tout de suite sortir la tête de l'eau. Encore une fois défendu. Rien qui passe. Et on arrive à 10 points d'avance pour Caudry sur ce nouveau bloc. Et donc, pas eu de points arnésiens entre les deux temps morts techniques. Non. Puisqu'on était à 8-6. Ouais, on est à 8-0. Freitas au service. J'ai une grosse attaque basse sur l'ordi. C'est freiné par le bloc. Oh, on rend le ballon. Oh. Et le central de Caudry nous fait très très mal. Hein. Ouais, il est en feu. Il ne laisse rien passer. Alors après, c'est relativement facile hein, parce que les. Là, à chaque fois, on est en situation compliquée. La passe va être facilement lisible. On est toujours attendu. C'est la réception maintenant qui est pas bonne. Et cette fois-ci, enfin un bloc. On arrête la série. On était sur un 10-0. C'est terminé. Ouais, on retrouve Geoffrey au service. Avec un maximum de réussite, le ballon qui... On va le prendre ce point. Ouais. Ballon qui accroche la bande du filet et qui retombe juste derrière. Dommage. Ça s'est bien battu au moins sur ce point. Changement côté arnésien avec la sortie de Geoffrey et l'entrée d'Alexandre. L'attaque de Steve. Patrick qui est clairement visé en réception hein, depuis tout à l'heure. Il va devoir faire beaucoup de réceptions dans ce match, j'ai l'impression. Ouais. Oui,
super service. Bon, ça fait du bien. On va essayer de terminer sur une dynamique positive côté arménien. Oui, je pense que... Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Le 7 est mort. Compliqué. Mais il faut absolument terminer positivement la fin de ce set. On va essayer de combler un peu l'écart. Faute de fil de Patrick. 20 à 10 pour Caudry. Encore une fois, on se fait attraper au bloc. Il va falloir vite trouver des solutions. Ouais, dernier changement. Nouveau changement côté arnésien, sortie de Patrick et l'entrée d'Arthur. Maximum de réussite sur ce service. Il faut en profiter. Alors, je suis sur Sam en confiance pour l'instant. Sam qui a pas beaucoup de ballons. Ce ballon qui, une nouvelle fois, n'est pas défendu. Ce qui va avoir le don d'agacer Loïc, je pense. Les centraux de Caudry nous font très mal. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Là, en l'occurrence, ça n'était pas Tchelibou puisqu'il est au service, mais c'est Freitas qui derrière, punit encore les Arlésiens. Heureusement, on n'aura pas la même série. Elle est toujours 10 points d'avance là pour Caudry. Il va vraiment falloir mettre d'autres ingrédients et réagir très vite dans le deuxième set. Côté arnésien. Balle de 7 pour Caudry. C'était assez bas, mais converti quand même par Steve Bouyomo. Les 15 points sont atteints côté arlésien.
Maigre consolation. Temps mort pour Caudry. On l'a pas vu venir. Ouais. Moi, je pense que l'entraîneur aussi demande à ses joueurs de bien rester dans le match. Certes, ouais. Le premier set est gagné. Hein, c'est... On va pas se faire d'illusions, hein, plus 9. Ouais, avec vraiment un miracle, 9 balles de 7. Ouais, il est naïque au service. Ouais, très bien, il a servi. Allez, ça grignote. On est au moins un peu plus positif dans cette fin de set. On fait plus ou moins jeu égal. C'est comme ça qu'il faudra réattaquer le deuxième. Voilà. Et quand il faut conclure, côté Caudry, on sait qui trouver. Par la personne de Louis Alphonse qui pour l'instant n'a pas failli et a match à chaque fois. Fait très mal. Donc c'est Caudry qui vient en tête dans ce match avec le gain de ce premier set 25 à 16 suite à cet énorme trou d'air entre le premier et les deuxièmes temps morts techniques. On n'a pas marqué un point entre les deux temps morts techniques. On n'a pas marqué un point et on a encaissé. J'ai pris un 10-0 après le premier temps mort technique. Allez, ça reste un set hein, dans un match ouais. Où il faudra en gagner 3 pour le remporter. Donc rien n'est terminé. Maintenant la confiance est du côté des bleus. Ouais, et c'est il va ça. Falloir changer. Il va falloir sortir la tête. Changer tout ça. Relever la tête. Allez, on vous laisse respirer. Au combat. Deux minutes. Ouais, on se retrouve dans deux minutes. On se retrouve tout de suite. Allez, retour des joueurs pour ce second set. On va essayer d'oublier très vite le premier. Ouais.
On repart avec le même 6 qu'au début du premier set. Ouais, Loïc qui remet les joueurs à qui il avait accordé la confiance en début de match. On va voir. Il faut tout de suite rentrer correctement dans ce second set. Il faut trouver des solutions pour contourner ce bloc caudrésien. Ça recommence comme en 14 avec un premier point marqué par Caudry grâce au bloc. C'est dire que pour l'instant ils nous font très mal dans ce domaine de jeu. Ouais, on n'arrive pas à trouver de solution. Alphonse qui s'invite à faire des deuxièmes mains. Allez, il faut le gagner ce point-là. Enfin, c'est Arne qui fait la faute. Mais fort heureusement, le joueur de Caudry qui a touché le ballon, on l'a signalé à l'arbitre parce que c'était pas encore la décision prise par le corps arbitral sur ce point. Donc Arne égalise à un partout. Ouais. Un peu de chance. Et Arne passe devant pour la toute première fois du match. Il faut rester devant. Ouais, je vais faire courir un peu derrière le score, on va voir s'ils vont réagir différemment. C'est dommage, faute de service. Patrick, le ballon. Ils n'ont pas couru longtemps après le score, parce qu'ils se repassent déjà devant. Sur cette erreur d'appréciation de Patrick Skup. Un très beau service de Julien Poulet quand même là-dessus. Oh ouais, il est vraiment proche de la ligne. Ils en les égalisent à 3 partout. Le bloc de Patrick ne sera pas dedans comme il le réclame. Il est dehors. Pour une fois, on a attrapé Loïc Alphonse. Alors certes, c'est dehors, mais au moins, on a touché. Dommage géré par Yanis. Patrick qui fait une faute encore grossière. Ouais. Il attaque dans la mire. Et Caudry qui prend déjà 2 points d'avance. Malheureusement, on repart sur les mêmes bases que le premier set. Espérons que ça tombe vite en notre faveur ce coup-ci. Nouvelle attaque à out de Patrick. Le premier temps mort pour Loïc Buanda. Et les Arnésiens qui pour l'instant ne trouvent pas les solutions, n'y arrivent pas. En plus du fait que Caudry joue très bien le jeu. Ouais, on fait énormément de fautes. C'est ça, ouais. On les aide bien en faisant beaucoup de fautes. Fait, ouais.
prenant pas les bonnes options. Le coach caudrésien qui, je crois, n'a pas dit un seul mot à ses joueurs, parce qu'il n'a rien à leur dire. Tout roule pour eux. Par contre, côté indésien, c'est pas la même musique. Loïc a poussé une soufflante. Retrouver encore en position. Difficulté, de... ouais, on va rendre le ballon. Il va devoir défendre ce deuxième ballon. Voilà. On est puni tout de suite. Et de l'autre côté, ça ne tergiverse pas. On sent les changements. On sent l'équipe en confiance qui est en tête du championnat. Qui est en tête dans ce match. Et là, le 7 n'est pas parti pour les faire douter. Au centre de Steve. Alors maintenant, on va attendre un moment de folie hein, côté arnésien. Il va falloir à un moment donné emballer un peu le. Ouais. Emballer la rencontre. Réchauffer le public, réchauffer aussi l'ambiance au sein de l'équipe parce qu'on sent quand même que tout le monde ouais, est abattu là-dessus. Et ouais, puis. Sans voilà, bien jeu. Servi là, Steve. Allez. Deux points d'affilée, ça fait du bien. Ouais, les joueurs qui essayent de se motiver. Qui... Il faut créer un déclic. Hein. Ouais. Il faut quelque chose. Il faut qu'un joueur arrive à enflammer, à entraîner les autres. Pour Caudry au premier temps mort technique. Aussi le... les gens semblent un peu abattus au niveau de dans les tribunes. Ouais. Voir ce qui se passe sur le terrain. Tellement pour l'instant Caudry domine son sujet aussi. Et tellement on sent les Arnésiens en plein doute. En train de chercher des solutions. Alors après on se disait aussi un peu cette semaine quand même que. Ce match-là contre Caudry, au niveau dans l'objectif des points et puis dans l'objectif de terminer troisième, était un peu un match plus ou moins bonus. Hein. C'est une équipe qui est très, très, très forte devant. Donc quelque part, les points pris face à Caudry seraient des points bonus. Maintenant, ce serait bien de ne pas prendre une raclée. Et... Ouais, parce qu'elle pourrait laisser des traces dans les têtes. Encore une fois, on se fait attraper au bloc. Sentir vraiment bien sur ce coup-là parce qu'une réception complètement ratée. Il nous donne ce point. En l'état actuel de notre confiance, on va le prendre. Et Maxime dit au service. Alphonse, une nouvelle fois. Je serais curieux de voir les stats de Loïc Alphonse sur les deux sets pour l'instant. Ouais. Je sais même pas s'il a fait une faute. Bon, je pense qu'il a dû se faire frapper une fois au bloc et c'est un bloc out. Sam pour l'instant
Ouais, faut qui dire fait du bien. Un peu sur, ouais, dans, ouais. dans l'équipe pour l'instant. Il est très percutant à l'attaque. Marque ses points. Super ouais, service. Service de Sam. Allez. Ah, ça passera aussi peut-être par le banc. Hein, et, les remplaçants qui vont faire le job. On va prendre le chemin pour Sam pour l'instant. Autant la rentrer en premier set que là sur le deuxième. Ouais, c'est bien varié. Touché au bloc par Lenaïk. Ce sera un point pour Caudry. Au moins un point a été grappillé sur ce premier race de Sam Keva. Allez, on va retrouver notre ami Freitas au service. On va essayer de tourner tout de suite cette fois-ci. Ouais, parce qu'il nous a fait très très mal dans le premier set. Comme tout à l'heure. Une réception très très moyenne. Voilà. C'est bien. Au moins, ça permettra de ne pas gamberger et de ouais. commencer à psychoter sur le service du numéro 11 de Caudry. Allez, Arne reste encore au contact, on va dire. Deux points derrière, voilà. Un point de Naïk. Dit à nouveau. C'est dommage, ça arrive pas du tout comme ça. Alors on va dire que ce sont les choses qui arrivent de temps en temps. Ouais. Un mauvais lancer, un bras qui tremble au dernier moment, et voilà. On va pas parler d'habitude du côté de Lenaïk Pépin là-dessus. Là, par contre, c'est un service qui devrait être un peu mieux maîtrisé là-dessus. Allez, c'est bien. Ça ralentit. Ouais, il faut conclure. Ouais, j'ai bien voulu qu'il était très gourmand. Julien Poulet qui a essayé un peu de faire un peu du N-gapette à attaquer ce ballon. Ouais. Le joueur de Caudry qui réclame quelque chose. Je sais pas quoi, la seconde arbitre qui vient. Qu'est-ce qu'il réclame en fait? Un joueur arrière qui aura attaqué apparemment. Un joueur arrière. Ouais. Du coup, le point est annulé. Visiblement, et même marqué par Caudry. Alors là, je ne comprends pas. Il y a apparemment une faute de Geoffrey. De Geoffrey qui aurait pris le ballon. Geoffrey, il est devant. Je sais pas. Alors, on se retrouve dans une situation où on était revenu à un point, à moins 4. Je sais pas. Alors, c'est un lancer mordu. Alors, le problème, c'est que voilà. Yanis dit non, mais personne qui réagit du côté arnésien. Tout à l'heure, Caudry, il y a eu un petit quelque chose, ils sont allés réclamer, ils ont eu gain de cause. J'ai l'impression qu'on est en victime là. Ouais. Et celui-là, il n'y aura pas de contestation.
service. Allez, faut conclure, Fouzi. Ouais, bien joué. Ouais. Sam qui n'a pas cherché. Sam il a là-dessus, qui joue bien la situation. Il n'a pas cherché la force. Il a joué l'extérieur des mains de Julien Poulet. Allez, on est revenu à 2 points. C'est Caudry qui a pris un temps mort. Allez, on va être positif. Du mieux dans ce deuxième set quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux, mais bon, il y a encore malheureusement beaucoup trop de fautes. Même si c'est beaucoup moins dans le premier, mais... Donc ce temps mort n'est pas cassé le bras de Mirail. Qui reste sur 2 gros services. Ouais, un gros service encore, mais c'est bien tenu par le libéro de Caudry. Attaque à out. Là, Julien qui essaye de encore une fois d'influencer l'arbitre, Julien Poulet. Geoffrey Meyer l'a regardé en disant attends, arrête un peu. Allez, dommage. Et 3 bons services avant la part de Mihai, ça peut arriver. Surtout qu'il n'est pas. Il n'assure pas. Il envoie au service. De toute façon, son jeu n'est pas assuré au service. Allez, Caudry est toujours devant, mais il n'y a que 2 points. On sent que ça pourrait tourner. On en est encore loin. Mais. L'espoir n'est pas perdu au même moment dans le premier set, on était quand même à 16-8, on est à 16-14 là, donc le set n'est pas perdu. C'est Julien Poulet qu'on va retourner au service pour Caudry. Alors est-ce qu'il va lâcher ou assurer un petit peu? Alors il va assurer. Un temps mort, on fait pas de faute. Ouais, c'est bien tenu par ça. Attaque dehors. Caudry reprend 3 points d'avance. Et un nouveau temps mort là pour le hand volleyball demandé par Loïc Bonda. Ah, c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on est en mesure de revenir un petit peu dans le match, on reprend derrière 1 ou 2 points qui casse la dynamique et qui remet Caudry sur les bons rails, sur les rails de la victoire. Ça, c'est le genre de situation qui font quand même très mal moralement parce qu'en fait on cravache pour revenir un peu au score et on perd le bénéfice du travail accompli juste avant en 2 points. Ouais, là, en général, je vois Julien Poulet au service. De couper les jambes. Ouais, c'est bien tenu par ça. Ouais, Geoffrey qui a joué avec le bloc. Pour l'instant, le problème, c'est que tous les points que sont mis par Arne, il n'y a pas de points de, comment dire,
autoritaire en fait. Tous les points sont marqués alors par malice, alors c'est des points comme les autres. Mais on a l'impression vraiment que le bloc, voilà, je parlais d'un point autoritaire, en voilà un. On sent que le bloc de Caudry fait très peur maintenant. Et donc on essaye de contourner, on n'est pas puissant. C'est la out. Allez, 16-19. On arrive dans le money time. Tout ce set. C'est maintenant qu'il va falloir recoller et garder la dynamique. On retrouve Loïc Alphonse au service. Allez, un bon point au centre par les Naïk Pépin. Enfin, encore une fois, ça a été défendu. Hein. Parfaitement joué. Et Julien Poulet qui passe au milieu du bloc. Surtout Sam qui doit rester positif au niveau de ses stats. Comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, c'est le seul qui marque des points vraiment autoritaires jusque maintenant. Il marque ses points tout court d'ailleurs. Là, je vais dire, dans l'état actuel des troupes, peu importe la manière dont le point est marqué, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui marquent leurs points. Sam en fait partie là. Et il faudrait qu'on en ait 2-3 à ce niveau-là. Et encore une fois, on est revenu à 2 points. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à tenir la cadence ? Retour des joueurs. On retrouve Sam au service. Et Sam, il faut enchaîner maintenant. Alors, c'est dur après un temps mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va une roulette, je pense. En deux. Oh, il lâche. Oh, non, il lâche. C'est bien. Allez, c'est bien tenu. On a défendu Loïc Alphonse une des premières fois dans ce match. Là, c'est touché bien. Allez, moins un. Et si le fait de pouvoir défendre une fois Loïc Alphonse était un petit déclic, un petit signe comme quoi on peut faire tourner un peu la dynamique. On n'a pas défendu non plus beaucoup le numéro 15 de Caudry. Bien Sam. Ouais, c'est chez nous. Ça marche. Rien à dire là-dessus. Réception moyenne. Allez, c'est fini.
faut en profiter, faut marquer le point avant. Au centre avec les Naïcs. On a vu le petit regard de Maxime vers les Naïcs. La relance de Sam était parfaite pour pouvoir enchaîner au centre. Et derrière, enfin on marque. Donc là, changement pour servir et défendre derrière. Allez, 21-22. Là, on est en course dans le set. Ouais, il ferait vraiment du bien moral. Ouais. Ah ouais, tout peut changer. Hein. Si ça tourne, on passe devant, on gagne ce set, la physionomie du match peut changer totalement. Ouais, c'est bien servi. Ah, dommage. On n'a pas encore réussi à vraiment mettre un vrai bloc. Pour l'instant, le ballon qu'on a touché sont sortis. Alors la zone visée par Benjamin au service était belle. Par contre, j'ai pas compris ces déplacements de l'écran en fait. Ils sont tous partis de l'autre côté. Bien, block out. On reste encore à un point. Là, c'est Miaï qui peut nous faire une petite série. Ouais. Et gagner le set. Hein. Rappelons que. En plus, il n'y aura pas de temps mort. Hein. Caudry a pris ses deux temps morts. Ouais. Allez, on peut y croire. Il est capable. Voilà. Ouais, premier gros service. Allez. Et là, il va falloir savoir contre-attaquer là-dessus. Allez, il faut en profiter. Il faut conclure tout de suite. Oui, ouais, bien joué. Elle fait du bien, celle-là. Belle lecture de Maxime Dilly. Allez, on est revenu à égalité. Encore un gros service de Mirai. Ah, c'est détenu ce coup-ci. Il va falloir mettre un bloc là. Voilà. Ouais, voilà. Bien. Allez, balle de 7 pour Arnaud. Au bon moment, Stéphane. On était devant tout le début du set, si on voulait l'être à la fin. Ouais. Allez, Mirai, encore un bon service. Voilà, encore un gros service. Allez, il faut punir là. Allez, Mirai. Voilà, super. Oui, il fallait gagner ce set, c'était fait. Et de belle manière, parce que ils reviennent de bien loin là-dessus. Ouais, là, franchement, c'est parfait. Ça peut remettre tout le monde dans le sens de la marche et commencer à faire douter surtout Caudry. Je pensais là, quand on est arrivé à 24-23 pour Arne, que le coach de Caudry avait peut-être regretté d'avoir pris les temps morts un peu tôt. Je pense que oui. Bref, tant mieux pour le handball. On revient à un partout. Il va y avoir 10 minutes de pause, donc on va couper nos micros et on revient vous embêter d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. Allez vous rafraîchir et à tout à l'heure. Thank you.
Allez, nous sommes de retour avec les joueurs pour le troisième set. Arne qui a fait une fin de set encourageant. Ouais. Et encourageant pour la suite du match. Repasser devant et l'emporter in extremis 25-23. Allez, enfin non, faut espérer que ça. Rester sur cette dynamique là. Les 10 minutes n'ont pas. Rester comme ça côté arnésien, que ça va semer un peu le doute dans les esprits de Caudry. Allez, retour des joueurs sur le terrain. Elle va arracher la carte, mais non, c'est pas vas-y. Et côté arnésien, on repart comme on a terminé le set, donc avec Sam qui. Sam à la place de Patrick en 4. Il y a un petit bug au niveau de la feuille de position, je pense. Ça va, il n'y a rien de méchant. Il n'y a pas eu de trompage. Ça arrive des fois, trompe dans les numéros. Là, ça va, c'est ce style qui n'était pas bien placé au bon endroit. Allez, c'est reparti, un partout. La balle est dans les mains de Lénaïc Pépin pour le début de ce troisième set. Ça marque, hein. Ça marque. Si on met 25 points pareil, ça me va très bien. Oh oui, on les prend. Merci à out. Ouais, bien. C'est que ça arrive sur Loïc Alphonse. On a un petit peu moins vu dans le deuxième set. En espérant que ça le fasse douter un petit peu. Le premier, on l'a vu beaucoup trop à notre goût. Un beau service de Mial. Derrière Julien Poulet qui enchaîne parfaitement et qui fait recoller Caudry au score de partout. Service mais bien tenu par Yanis. Mirai qui essaye de feinter mais. Un peu haut. Ouais, il s'est défendu. De contre-attaque. Ah, est-ce qu'il faut conclure, voilà, c'est fait. Encore une fois, il y avait un Caudrysien sur le ballon. Alors, on sent un peu plus d'allant. On sent vraiment de révolte côté arnésien. Et bizarrement, ben, on touche des ballons, on commence à mieux, un peu mieux jouer. Hélène qui vient de ravitailler en nourriture toute l'équipe. Et pendant ce temps-là, merci. Et pendant ce temps-là, Sam s'est bien joué du bloc pour donner 2 points d'avance au hand volleyball. 4-2.
Et derrière, c'est Geoffrey Meyer qui a raté, qui a servi dans le filet. Et Kelly Bou au service pour Connery. Sam qui gère pas mal cette balle compliquée. C'est bien défendu, allez, faut rentrer dedans. Ah, c'est dommage, c'est un out. L'attaque de Mihai sort. Donc Caudry revient tout de suite au score. Le petit break arménien n'aura pas duré très longtemps. Avec un maximum de réussite pour Caudry. Bon, on va rien dire, on l'aura. D'ailleurs, on a eu deux tout à l'heure. Hein. Même trois, je me semble. Ouais. Est-ce que si c'est bien tenu par Sam, ouais. Belle attaque de Mihai. Ouais, si Mihai commence à. On a trouvé des failles dans le bloc. Caudrésien, ça va faire du bien. Ouais, 5 partout, Steve au service. Ouais. Belle attaque de Loïc. Faut pas qu'il se réchauffe, Loïc. Je l'avais engueulé après le match aller, hein. Je lui avais dit qu'il nous avait vraiment embêté et que c'est pas très cool de sa part. Alors, le personnage est très gentil, c'était excusé, mais bon, il a bien fait comprendre que c'était son boulot. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'il est gentil aujourd'hui. Partout, maxime au service. Servi court. Un jeu très rapide. De nouveau Caudry qui vient en tête du premier temps mort. 8-6. Ouais, mais on sent un peu moins de supériorité pour l'instant. On va croiser les doigts. Les débats sont un peu plus équilibrés. Pour l'instant, on sent moins les Caudry bien au-dessus des débats, ce qui était le cas sur le premier set et sur le début du deuxième. Là, on voit que les débats se sont équilibrés un peu plus. Et on sent mieux les Arnésiens en mesure de les contrarier. Bien joué. Parce que de l'autre côté, ça se pose pas de questions. Hein. Donc, ouais. Si on leur rend le ballon facile, bon, malheureusement, ça n'a pas servi. Non, ça n'a pas payé. Mais au moins, l'intention était bonne.
retrouve un peu comme dans le premier set, dans une situation où on n'arrive pas à marquer nos points. Et derrière, on se fait punir. On se fait punir. Attention. Moins 4, je sens le tendon arriver. Bien vu Stéphane. On l'a vu dans le deuxième set, 4 points, on s'est les remonté. Par contre, on a vu aussi dans le premier set que à cette période du set, on avait coulé tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'était 8-6 pour Caudry dans le premier set. On s'est retrouvé très rapidement à 16-6. C'est qu'on a parfois des situations pour marquer les points, donc on n'y va pas, et derrière, voilà. Loïc Alphonse qui recommence son opération de destruction. Ouais. Fin à cette série. Alors on aurait aimé mettre fin à la série un peu plus tôt. Mais au moins c'est fait. On retrouve ça au service. Ok, au revoir. On s'est détenu. Malheureusement, Cody prend pas beaucoup de séries en fait. Hein. Non. À part pas sur la fin de longues séries. À part sur la fin du deuxième set où on a peut-être enchaîné 3-4 points à un moment, mais. Belle fin de Geoffrey qui passe au-dessus du bloc. Opportunité au centre gâché par le central Chilibou de Caudry. Il n'y en a pas beaucoup, donc on en profite. Second arbitre, l'annonce bonne. Stéphane, on va pas le dire. Nous, on la voit bien dehors quand même, je pense. Je pense aussi. Les joueurs de Caudry sur le côté, on les entend crier, elle est bonne, elle est bonne. Ah, je sais pas si c'est les joueurs de Caudry. Non. c'est le président, Stéphane. Ah bon, bah ok. Donc il n'est pas. Je doute de la. Ah, il s'est freiné par le bloc. Ça ne peut pas jouer au centre. Allez, derrière, il faut être présent. Oui. Allez, Mihai. Ah, là, c'est pas touché. C'est pas touché. Non, en tout cas. Bon, après. Il fallait se douter qu'après le premier point, le point précédent un peu litigieux, j'imaginais mal l'arbitre annoncer un ballon touché sur un truc très limite. Aussi léger. Voilà, là, c'est sans discussion possible. Le
pas comme on aimerait en voir un peu plus souvent côté arlésien. Qui reste, ma foi, dans la course. Toujours derrière, certes, mais à deux points. Et à tout moment, voilà, Mihai. Dommage. Il a failli prendre Maxime Gauthier au passage. C'était la zone à viser, c'est là qu'il fallait servir. Donc la faute assez grossière pour Steve Moyomo. L'attaque qui sort. Et voilà Caudry qui a repris 4 points d'avance. L'appel de Sam, je l'ai regardé, hein, il est très limite. Ouais, bon. Après le second, s'il fait une faute de fil côté Caudrésien. Même s'il y a faute de fil, pour moi, la première faute. Ouais, là, après, je sais pas. Comment ça la ligne, mais. J'ai dit qu'il était limite, j'ai pas dit qu'il avait mordu. Deuxième temps mort technique, 16-12 pour Caudry. Il garde son petit matelas quand même de 4 points d'avance. Ouais. Et comme dans le deuxième set, il va falloir réagir très vite, grignoter point par point. Même si on n'arrive pas à faire de série de 4-5 points, ben, faut faire comme dans la fin du deuxième. À chaque fois qu'un serveur passe, ben, il marque 2 points, 1 point. Un petit test. Et ça va remonter, il a encore temps, ils sont qu'à 16. Des joueurs. J'avais eu une illusion d'optique. Ouais, j'ai pas vu de faute de mire. Allez, malheureusement, encore une fois, on n'a pas su convertir les points à convertir. Ouais, Sam. Ça permet de tourner. Toujours ces 4 points de retard là, qui font mal quand même. Maintenant qu'il va falloir en grignoter 2 ou 3 quand même. Hein. Ouais, plus c'est avance, plus il y a urgence à grignoter cet écart. Ouais, c'est bloqué, mais. Faute de fil. Du bloc arménien qui offre le 18e point à Caudry. Et on va retrouver Loïc Alphonse au service. Très long service flottant. Bien négocié par Geoffrey Meyer et derrière. Passe très rapide de Maxime Billy pour Sam Keva qui est en force.
passe à travers le bloc. Chose à dire sur ce point de Julien Poulet, très bien négocié côté côté Caudry. On retrouve Eugène au service, le numéro 7. Avec un changement côté, un petit changement de passeur côté Caudry. Ouais, peut-être pour apporter de la hauteur au bloc. Ouais. Ouais, ça va un peu agacer. Et l'entraîneur et le joueur rentrant. Ouais, c'est un beau service. Ouais, c'est bien servi. Non, c'est bon. Ouais, c'est rendu. Il faut en profiter, Scusi. Marqué, voilà. Ouais, bien joué. Temps mort pour Caudry. C'est le premier. Il va peut-être garder cette fois-ci un temps mort. Ouais, pour la fin de set. Au cas où ils seront arrivés aux vingtaines de points. On ne sait jamais. Sur tout à l'heure dans le deuxième set, je me demande si on n'était pas aussi à 16-19 ou quelque chose comme ça. Si Arne avait déjà entamé un peu sa remontée. Bon, c'est possible, c'était. Clairement, le temps mort a été juste pris pour couper le bras de Sam, hein, parce que l'entraîneur n'a même pas parlé à ses joueurs. Allez. Ouais, c'est reparti. Allez, il a trompé Julien Poulet qui a cru que ça sortait. Ça a été bien enroulé par Sam, bien travaillé ce ballon. Allez, encore un point de grignoté. Ah, encore un gros service. C'est bien tenu cette fois-ci et c'est Julien Poulet qui va attaquer. Dommage. Toujours est-il qu'il y a eu un point de grignoté, deux points même sur ce service de Sam. Qui va sortir changement, là, ouais. D'Alexandre. Alexandre Clément, pour stabiliser un peu la réception. Côté Caudry là. Ouais, il s'en sort. Il a bien réagi. Allez, il va falloir encore défendre. Bien. Ouais, c'est dommage. Bien Mirai, situation compliquée. Ah là c'était ouais, plus que compliqué parce que pas de Geoffroy en 4. On peut pas jouer au centre. Donc, la seule solution qui restait c'était Mirai. Qui était forcément donc attendu par 3 bloqueurs. Ouais, changement pour le service, sortie de Lenaïc, capitaine, entrée de Benjamin. Ça va
servir sur le libéro, je pense, non. Si. Parfaitement négocié par Caudry. Oh, plus 4 pour Caudry. Ça me paraît sévère comme double touche là, non? Je sais pas, ouais. C'est. Allez, là, ça va être compliqué de faire une remontée. Ouais, moins 5 à ce moment-là du match. Ça va être dur, mais. Tous les espoirs. Sur une note positive. Tous les espoirs sont permis. Situation de défendre. Et voilà. Et à chaque fois, on est puni. On se retrouve donc avec 6 balles de 7 pour Caudry. Oui. Attrapé par le bloc. 7 pour Caudry. 2-7-1 pour Caudry. 35-18. On a un peu une physionomie de match qui ressemble à la semaine dernière. C'est-à-dire que. Ouais, on fait un 7 sur 2. Caudry gagne le 7, ça gagne largement. Il le perd de très peu ensuite. Et si on prend donc le même chemin que la semaine dernière, peut-être espérer aller prendre un point en remportant à l'arraché deuxième set. Ouais. Et puis après qu'advienne que pourra dans le time break, on verra ce qui se passera. C'est dommage que le troisième set avait commencé sur une bonne dynamique. Ouais, mais il y a eu malheureusement encore un petit passage. Au même moment. Hein. Ouais, toujours pareil. Après, à peu près. Premier temps mort. Pour Caudry. Et encore une fois, avec des réceptions mal négociées et derrière des situations où on se remet à chaque fois en défense alors qu'on avait des situations de contre-attaque. Allez, 2-7 à 1 pour Caudry. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour aller chercher au minimum un point. Ce serait quand même déjà une bonne chose face au leader de cette poule. Et une fois qu'on aura pris ce point-là, tout donner dans le tie-break pour aller chercher le deuxième point et la victoire qui pourra compter à la fin du match, à la fin de cette première phase de championnat.
Ouais, ça va repartir. Les joueurs qui regagnent le terrain. C'est parti pour 4-7. Caudry qui mène 2-7 à 1. Alors côté arnésien, c'est le même 6 que sur le 7 précédent. Les joueurs sont de retour, on est reparti avec les mêmes joueurs. Pour la fin du deuxième set. Et c'est Caudry qui commence au service avec Maxime Gauthier. Ouais. On commence par une belle pipe de Sam. Sam qui va. Et du côté de Arn, on a décidé de commencer avec Mihai au service d'entrée, histoire peut-être de tout de suite faire un petit trou, faire une petite différence. Ça va attaquer quand même, ça va attaquer, voilà. Ouais. Caudry qui est en totale confiance. Pour... Ouais. C'est dommage parce que d'un bon service qui avait mis la réception en difficulté, et ben on se retrouve à prendre le point. Parce que derrière, Julien Pouillet joue bien le coup aussi et attaque aussi dans la zone où on n'a pas forcément le meilleur défenseur avec lui, il ne faut pas se le cacher. Voilà, Mihai derrière qui se fait justice lui-même. Arn qui reste devant, 2-1. Ouais, Geoffrey au service. Oh, c'est dommage. C'est un point donné facilement, Caudrésien. C'est fair play. C'est Steve Bouillomo qu'on va retrouver au service. Ça joue parfaitement. On a bien la réception très dans le fil. Maxime Gauthier a bien négocié le ballon pour pouvoir servir son central. Seule solution qui se proposait à lui un peu. Ouais, Sam qui joue bien le bloc. On continue sur la lancée de son bon match actuellement. Au service. Et le service de Maxime qui sort mais de très peu. Et donc égalisation de Caudry. Un drôle de rythme dans ce début de quatrième set. C'est... Beaucoup de fautes de service. Trop de points d'en avoir 4 je crois. Déjà. Pour l'instant, ce rythme convient à Arn puisque ça reste devant pour l'instant. On arrive à la période un peu critique des sets là où à chaque fois on a pris un peu l'eau. Espérons que là, ce soit Sam qui fasse une petite différence. C'est bien servi. Bien. Il essaie de la faire. Dommage.
Geoffrey qui était sur le ballon. Ça avait été défendu par Geoffrey Meyer, mais le ballon n'est pas resté dans l'air de jeu. Et le ramasseur de balle qui commence à fatiguer peut-être aussi, puisque le ballon tarde à revenir. Quand même là, là-dessus, eux ils pourront pas. Enfin, ils nous mettent en difficulté. Faute de fil bien provoqué. Pour une fois que c'est pas à côté Arn qu'on fait une faute d'impatience. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, je pense qu'elle reproche à Yanis d'avoir un peu trop manifesté sa joie. Il faut laisser un petit peu de folklore quand même dans, ouais, ouais, dans le jeu. Faut laisser les joueurs aussi s'exprimer. Il n'y a rien eu d'agressif, il n'y a pas eu de chambrage. Ouais, pas de chambrage, pas de provocation. Très belle passe qui a bien décalé Loïc Alphonse. Qui derrière n'en demande pas tant pour terminer son point. Et on reste à 6 partout. Ouais, ce serait bien bon, une fois d'aller chercher le premier temps mort. Oh, réception plus que moyenne. Ouais. Qui met Maxime en difficulté. C'est pareil, ça tient bien. Ouais. 7 partout. Miaï au service. On a l'impression d'avoir un début de set où les deux équipes s'observent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Gaudry qui prendra les devants au tambour technique. 8-7. C'est au retour de ce temps mort qu'il faudra être performant pour ne pas sombrer, ouais, et reprendre une nouvelle fois 4 points de retard et devoir courir un peu pendant tout le set. De retour, c'est Julien Poulet qu'on va retrouver au service pour Gaudry. Ouais, il faut tout de suite prendre le point. Ça va flotter. Ouais, on le prend, c'est très bien. Et ça a coulé. Ça a coulé, ouais. Et 8 partout, Geoffroy au service. Bien enroulé, bien mis en difficulté. Ouais. Le bloc de Steve qui sort. Gaudry reste devant. Ouais.
Belle attaque au centre de Steve. Alors que le premier résultat de la soirée vient de tomber, Avignon a battu 3-0 Charenton. Donc Avignon a maintenant reprend la tête de la poule. Sachant qu'Audry a déjà au moins un point, donc ils se retrouveront ex aequo au nombre de points. Après, ça va être le score de Calais qui va être, qui va être important. Il va falloir passer. Après, d'un autre côté, si c'est le CMVB qui l'emporte, certes, on reviendra sur Calais, mais. Repassera devant nous. Ouais. D'où l'importance de un match qui sera primordial contre le CN. Sachant que sur Calais, on n'a plus aucune emprise puisque on n'y jouera plus. Il faut risquer le contact. Il maintient l'équipe au contact, tout à fait. Maxime au service. Alors, toujours derrière, mais il n'y a qu'un point. Il a servi. Le service court tout le monde. Il a été joué les mains du bloc. Et ça fait point. Égalisation. Un set qui va se jouer au nerf. Ça continue ouais, comme ça. Ça va jouer sur des détails. Ouais, bon service de Maxime. Allez, il faut profiter. Ça va. Ah, non, il va. Quand même. Non, ça va. C'est facilement joué défendable. Ouais. Un dessus provoqué. Arles qui repasse devant. 12 à 11. Est-ce que c'est mieux. On n'arrive pas à mettre les blocs, on touche les ballons. On en a mis qu'un aujourd'hui, je pense. Ouais. Pas faire tomber les ballons, on les touche, mais ça sort. Qui reste devant. Allez Sam, c'est le moment de faire une petite différence. Ouais, c'est bien servi encore. Allez, c'est défendu par Yanis. Faut en profiter, il faut. C'était pas mal. Le côté de libéraux, on fait les choses sur ce point. Et le dernier mot sera pour Caudry. Ouais. Un ballon bien placé. Un remplacement du passeur arménien. Soutenu. Allez, c'est compliqué, c'est difficile à gérer ça pour Geoffrey. Allez, derrière, c'est là qu'ils sont très forts, je pense, sur ce match. Caudry s'écueille. En gros, il te laisse pas le choix une fois. Caudry qui repassait devant. Le ballon qui ralentit par la bande du filet. Un bloc.
Ouais, ils se sont repris à deux fois, mais c'est pareil. Contre-attaque pour Caudry et ça fait point. Et ça, c'est le genre de points qui font basculer à 7 d'un côté ou d'un autre. Et là, Caudry a pris 2 points d'avance. Ouais, qui était ouais. Encore une fois, encore une fois, le numéro 11 au service. C'est lui qui nous avait fait mal dans le premier set. Ouais, Caudry qui a 3 points d'avance. Rester mobilisé, il n'y a que 3 points malgré tout, c'est pas. Ouais, on entend les naïcs d'ici qui crient on lâche pas les gars. C'est pas une avance ou un retard rédhibitoire. Par contre, il va falloir recoller très vite. Ouais, là, il faut pas leur laisser creuser. Il va vraiment prendre confiance, il va plier le match. C'est dommage. Une nouvelle fois, on se retrouve mis en difficulté sur cette position. On n'arrive pas à convertir nos points. On a déjà des réceptes là qui tiennent pour l'instant. Hein. C'est pas. Là, c'est plus juste. Mais... Bien, Geoffrey. Tu mets fin à cette série. Et maintenant. On se retrouve une nouvelle fois derrière, à courir après le score. Ouais. Et à devoir cravacher pour aller emporter ce set. Ouais, encore une belle attaque de Julien Pouillet. Patrick qui va faire son retour. Benji aussi. Un double changement pour avoir 3 attaquants devant à chaque fois. Un coup côté Arlésien. Ouais, ouais. Mais qui avait déjà fait ça à Charenton. Ouais. Allez, hop, un point. Ça se prend. En blinde, grignoté. Il va encore en falloir grignoter 2 comme ça. Benjamin qui fuit. Et malheureusement, on reste à moins 3. On ne grattera pas plus de points sur cette position.
Allez. C'est pas grave. J'ai un poulet au service. C'est bien tenu par ça. Ouais, c'est soutenu. Ouais, ce coup-ci, ça passe. De toute façon. Ouais. De toute façon, l'attaque était bonne. Si elle avait été annoncée à la route, par les Arnésiens, elle était. C'est bien géré parce que le ballon est un peu haut et un peu contre-temps, mais ça a mis aussi le. Le bloc à contre-temps aussi. Donc, pas plus mal. Maintenant, il faut gratter. Il va falloir faire les stops. Ouais. C'est dommage. C'est bien battu, seulement voilà. Enfin, s'il y a des joueurs de qualité qui ne tremblent pas au moment décisif. Voilà, c'est punition directe. Se complique là pour cette fin de match parce que là Caudry n'est plus qu'à 3 points de la victoire et Arne compte 4 points de retard. Ouais, il va vraiment falloir faire une grosse rébellion pour cette fête. Alors envoyer le feu au service comme on dit. Ouais. Déjà dans un premier temps tourner cette première balle avec Loïc Alphonse qui a décidé depuis 2-7 là de servir de très loin un service flottant qui est difficile à négocier. Voilà, on voit bien, il se positionne très loin derrière la ligne de service, la ligne de fond. Et derrière le ballon a une trajectoire très flottante qu'il faut absolument prendre à 10 doigts. Voilà, c'est bien tourné. Ouais, Patrick au service, hein, on va retrouver le. On va refaire le double changement pour retrouver nos trois attaquants devant. Allez, l'espoir est toujours présent côté arnésien, c'est Sam qui arrive au service.
On va faire une grosse série, on va tout de suite. Temps mort pris par l'entraîneur de Caudry. Et il va falloir faire 5 services de feu, 5 aces. Ouais. Pas le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Il faut nous faire une Stéphane Boyer face à l'Italie pendant c'est l'Euro. Ça. Sachant qu'il pourra, l'entraîneur ne pourra plus lui couper, lui casser le bras puisque il vient de prendre son deuxième temps mort. Donc s'il démarre bien, ça peut le faire. Croisons les doigts. C'est parfaitement tenu derrière, on sait à qui on donne la balle et voilà. Ouais. Ça pardonne pas. On peut dire, on peut dire que Loïc Alphonse est une valeur sûre côté Caudry. Ouais. Dès qu'il a le ballon. 9 fois doit sur 10. Il doit pas être loin des 100%. Allez, 4 balles de match pour Caudry. Ouais. Contre-attaque. C'est à nous de finir le point ce coup-ci. Non, on pourra pas. Et là, on rend le ballon. On pose en contre-attaque. À qui on donne le ballon? Allez, 4 points. C'est point. La balle de match est à l'image du match, puisque Arne ne convertit pas ses contre-attaques, à l'inverse de Caudry, et en plus par son joueur clé qui n'a pas failli aujourd'hui, qui a été encore une fois impressionnant, et, la personne de Loïc Alphonse. On va dire victoire logique hein, sur ce match-là. Pas grand-chose à dire, tellement Caudry a semblé supérieur dans le jeu. Voilà, il faudra absolument maintenant remporter 3 points à chaque rencontre qui va se présenter, parce que la tâche se complique très très fort maintenant pour les joueurs de Arne. Ouais, ça devient vraiment compliqué là, les playoffs, ça va être dur à aller chercher. C'est donc sur cette victoire de Caudry, 3-7-1-1, qu'on va vous laisser. On vous laisse passer une excellente soirée. On vous donne rendez-vous demain matin à 11h pour le match de la régionale. Régionale 1, ouais. Qui reçoit Crève-Cœur à 11h. Donc on vous attend nombreux sur le live pour suivre ce match. Et on vous dit aussi à la semaine prochaine pour le prochain match de l'équipe première, équipe élite. Hein. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À bientôt, au revoir.